Vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Thank you.
Ouais. Ma poussée, il y a déjà permis la joie, et ça, c'est un privilège. C'est chaud, c'est compliqué. Kinshasa, une fois de plus, justement après on va dire une première partie de saison assez réussie avec le Standard de Liège. Content d'être à Kinshasa? Ouais, non, c'est toujours un plaisir de rentrer à Kin, d'avoir profité du soleil aussi. Donc, non, voilà, on est très content d'être. Allez, justement, après la déception de cette non-qualification à la Coupe du Monde, un match amical, c'est toujours bien pour justement, on va dire, raffermer les liens entre vous et la sélection. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on essaye d'arrêter un peu de parler du passé, de regarder vers l'avant. Parce que c'est vrai, oui, on ne s'est pas qualifié, mais bon, là, c'est fini, c'est du passé. Mais sinon, on est bien, on est un bon coup. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de nouveaux aussi qui vont venir, donc ça va faire en sorte d'adapter les nouveaux, donc c'est tout bon. Allez, justement, un petit message au peuple congolais qui te suit en ce moment. Qu'est-ce que tu peux lui dire, justement? Non, juste merci pour leur encouragement, merci pour leur soutien. Malgré qu'on ne s'est pas qualifié, on a vu qu'il y avait vraiment énormément de soutien et que le peuple était toujours derrière. Merci vraiment à tout le monde et on espère qu'on va faire de grandes choses dans le futur. Merci à toi. Allez, bon. Voilà, c'est un pays qui est. Enfin, je suis venu ici, c'était il y a 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que je suis en sélection. C'est un bon pays, ça fait toujours plaisir de venir voir la famille et proches. Après, en ce qui concerne le foot, bah ouais, l'élimination, ça fait mal. Surtout quand on pensait vraiment atteindre la qualification. Malheureusement, on l'a pas fait, ça a été une déception pour nous, pour le peuple. On a senti aussi à l'extérieur, même en Europe, avec le tour. Voilà, on va essayer de s'en relever le plus vite possible et essayer d'atteindre cette qualification pour la CAN et ensuite essayer de bien figurer. Et puis pour cette rencontre amicale, est-ce que la motivation est toujours aussi grande qu'elle a été lors de matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde? Bien sûr, ça reste une compétition internationale. Après, ça reste un match international, donc quand tu supportes les couleurs de ton pays, tu te dois d'être à 100%. Et puis on veut parler un peu de ton aventure avec la formation de FELAM. Vous suivez, non? Oui. Bah, vous devez savoir. Comment ça se passe? Ça va. On figure bien, l'équipe collectivement c'est bien, donc ça va. Pour l'instant, pas trop de. Moi je vais continuer à faire le prochain entraînement aujourd'hui là. On va jouer contre Tunisia bientôt. Alors on va continuer à faire l'effort. Préparer pour la CAN et tout ça. Alors ouais, c'est parti. Mais Aaron, ce sera votre rôle maintenant avec l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Qu'est-ce qui prouve cet engagement? Ouais, je veux dire seulement les Congolais, merci pour de voir vous. Vos messages qui me donnent et tout ça, et je vais dire seulement merci pour tous les messages qui me donnent, et j'ai vraiment content pour être ici avec vous tous, ici avec l'équipe et vous gens. Alors ouais, je suis vraiment content. Comment tu t'es senti justement quand tu as eu justement cet appel du coach qui te sélectionnait justement pour ce match? Ouais, on l'a parlé avant, j'ai vu comme maintenant c'est les moments, je viens, je vois l'équipe, je vois tout ce qui se passe ici, tous les gens et l'équipe et tout ça. Et tu vois, je suis comme habitué avec l'équipe. Est-ce que les Yannick, les Paul, José et puis les restes, ceux-là qui jouent en Angleterre avec toi, est-ce qu'ils t'ont convaincu justement de rejoindre la sélection? Ouais. Bien sûr, je parlais beaucoup avec Youssouf, même Yannick, je connais beaucoup le temps, et même Brit et Benic. Alors, on me donne tout le temps les conseils, on me donne tout le temps les bien choses de l'équipe ici, le Congo. Alors, pour moi, c'était facile. D'accord, merci à toi, allez, bonne chance. Merci. Ah,
le peuple mignon soit à Congo, donc il va à l'équerre la vie. Mon bel âge, c'est Satir Negenini. Yo, mon conforme est actuel. Bon, moi, j'ai en forme, j'ai en forme. J'ai en forme, et là, c'est ma nava club, na club, na zan en haut, place na zo bêta, donc il y a l'aline à l'obara. On a peuple Nyonso, il y a un Congolais, donc il va derrière Bissot, pour décevoir va monter. Les hommes m'envoient bas les Ndenge, tu es béni, m'envoient bas les Ndenge à la ramène. Coupe d'Afrique, j'espère que nous allons sur la Bissot, tout va bien. Merci. Merci. Je suis gagné en gros. Je suis gagné en gros. Je suis gagné en gros. Vous avez loin de tenir pour gagner le match en Rome, vous avez les dernières 10-15 minutes de pour les collègues contre Tunisie, contre Guinée, Nîmes. Vous avez gagné le match en Rome, mais tout ça, sera, ben, on a été toujours une expérience pour ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ce sixième joueur est déjà arrivé à Cabo? Par rapport au travail à l'entraînement, je rajouterais peut-être un ou deux pour pallier l'absence de ceux qui ne sont pas venus. Pour justement améliorer le travail de l'entraînement. Donc ça sera peut-être un moins de 20 que je vais intégrer avec moi pour l'entraînement. Matam Pila, il est sans club. Oui, mais il vient de jouer son dernier match il y a une semaine. Donc c'est pas rédhibitoire quand même. Et on a eu un gros souci avec les gardiens. Parfait Mandanda qui devait revenir, malheureusement, il s'est blessé notamment. Donc Kassoumboa qui est retenu par. On a préféré laisser dans son club pour qu'il puisse jouer. On aurait pu l'obliger à être là. Mais l'intérêt pour nous, c'est qu'il puisse engranger du temps de jeu. Donc il a la possibilité d'engranger du temps de jeu, donc on l'a laissé. Auquel cas on aurait pu enlever ma tempête, mais bon, c'est comme un acharnement et je trouve ça un peu malsain. Et qui sont les nouveaux qui ont rejoint l'équipe nationale? Les nouveaux sont là, vous voyez, il y a Thibault, il y a Kabongo, il y a. Oh mon dieu! Aussi, voilà, qui est un gardien de but. Coach, le reste du programme? Le reste du on voyage dimanche à 13h. Okay. D'ici là, on va s'entraîner tous les jours. Coach, s'il vous plaît, en quoi est-ce que cette rencontre amicale peut être importante pour la sélection nationale? Elle est plus qu'importante, c'est le début. On a été éliminés, mais maintenant on a la campagne africaine, on a joué un seul match. Il faut profiter de toutes les dates FIFA pour pouvoir jouer. Donc là c'est l'occasion pour pouvoir rassembler des joueurs et donner du temps à certains. Donc c'est plus qu'important. Donc on va essayer après celui-là, puisque celui du Nigeria est déjà signé, on va essayer d'en trouver un autre pendant la date FIFA du mois de mai. Pour pouvoir continuer à peaufiner nos automatismes pour avec la finalité de jouer le match officiel avec toutes nos forces au Liberia. Mais quand tu vas recouper ça, l'ami. Alors, Oye, l'équipe nationale au pas, premier match pour l'équipe à Tamar. Qu'est-ce qu'on va attendre comme vous? Non, ça, la finale, non, là, ça finit où il va se passer la fin de l'année, ça, la finale. Faut le lever les lignes. Après. Après.
Un groupe qui est très motivé.
Vous retrouvez aujourd'hui au stade des Martyrs, c'est la première séance d'entraînement des Léopards. Il y a un enfant dont le passé vous dit quelque chose, c'est Kabongo Kasongo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kabongo Kasongo par rapport à votre connaissance? Non, c'est avec les larmes aux yeux que je parle de ce jeune homme, que j'ai vu grandir, que j'ai vu évoluer, un garçon discipliné, qui sait vous écouter et suivre ce que vous lui dites. Donc je suis très fier de lui et d'ailleurs à l'occasion, je remercie l'entraîneur Ibenge Florent qui sait vraiment aller à la recherche des perles rares. C'est un jeune qui nous a tous éveillés, émerveillés. À l'époque, moi j'étais à Kasavubu. Et c'est vrai, nous n'avions pas imaginé qu'un jour il se retrouvera à ce niveau. Mais je crois que c'est une leçon pour les générations à venir, pour tous les jeunes qui pratiquent le football. Ils doivent écouter, ils doivent être disciplinés. Je crois que c'est un garçon qui a eu la volonté d'aller loin et aujourd'hui, Dieu est en train de lui donner ce qu'il mérite. Et je demande aux Congolais de le soutenir, de compter sur lui, parce que je crois que quand Dieu a béni, personne ne peut dire le contraire. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer Kabongo qui n'a jamais joué ni dans V-Club, ni dans Motema Pembe, non plus dans Mazembe. Il était dans l'OC Sion, une équipe de la première division de Malebo, s'entraîner sur le terrain à Sosa, partir d'ici pour devenir celui qu'il est devenu aujourd'hui. Justement, c'est pourquoi j'ai dit la vie de Kabongo est une leçon pour les jeunes. Moi, je sais, il a eu un encadreur, mon grand frère Fuelo, qui s'est investi dans son encadrement. Il s'en est suivi beaucoup de choses. Mais justement, c'est ça la leçon à tirer. Ce n'est pas parce que vous êtes fils de ghetto, ce n'est pas parce que vous êtes fils de pauvre que vous devez désespérer. Nous tous aujourd'hui, nous avons des statuts qui nous permettent d'être des personnalités, mais nous venons de loin. Donc moi je voudrais que par la vie de ce garçon, d'autres jeunes tirent la leçon du sérieux à mettre dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans la vie et que ceux qui ont également les responsabilités s'inspirent de ce que Ibenge a fait. Aller puiser dans ce que personne n'imagine, aller puiser dans ce que personne ne considère. Je crois que c'est de cette façon-là que la République saura tirer le bénéfice des qualités de bon nombre de ces enfants qui sont issus des milieux négligés, mais qui sont à même d'apporter de bonnes choses à ce pays. Un petit conseil, Kabongo, justement pour le reste de sa carrière, on sait qu'il est encore il est encore très jeune, il est vraiment à fleur de sa carrière. Un petit mot. Qu'il demeure ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire il a toujours été à l'écoute de ses aînés, il a toujours été à l'écoute de ses encadreurs et il s'est toujours investi dans sa carrière. Il faut qu'il suive les orientations que lui donnent ses dirigeants. Ne pas se lancer dans ce qui fait perdre du nord aux jeunes. La détente, la distraction, c'est pour un temps. Mais ce qu'il faut faire au principal, c'est travailler. Moi, je sais, il est arrivé à ce niveau grâce au travail, qu'il demeure dans cette perception des choses et Dieu continuera à faire de lui un grand homme. C'est moi qui vous remercie. Hein? Nous sommes... Maître Serge, nous sommes jeudi au stade des Martyrs en nocturne. Les Léopards font leur premier entraînement en route évidemment pour la Tanzanie. Et dans l'effectif de ces Léopards, il y a un certain Kabongo Kasongo. Et ce nom renvoie directement à l'équipe de Sion, une équipe que vous connaissez très bien. Quelle impression vous avez ce soir à voir Kabongo dans les Léopards?
Donc je commence d'abord par rectifier. Ce n'est pas une équipe que je connais bien, c'est mon équipe. J'ai été président de cette équipe, j'ai été président de Kabongo. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. D'autant plus que le travail que nous avions abattu n'était pas en vain. Voilà, les résultats commencent à profiter à la nation. Kabongo, qui est un joueur pétri de talent, un joueur que je peux dire respectueux, qui a des principes. Ces joueurs que j'ai eus à l'âge de 13 ans, j'ai pris la résolution de pouvoir les sortir du pays sans avoir joué, n'est-ce pas, ni dans des clubs, encore moins dans Daring Club Motema Pembe. Ces joueurs, aujourd'hui, profitent à la nation, mais il a quitté Sion pour aller à Skaloum en 2013, où il a été meilleur buteur et meilleur joueur de son championnat. 2014, mêmement. Il a fait un petit tour l'année dernière du côté de Nantes où il n'a pas été retenu parce qu'il était arrivé en retard. Et puis finalement, il est revenu en Afrique, à Etihad d'Égypte. Il a été vice-meilleur buteur du championnat égyptien. Et les Amalek avaient demandé ses prestations. C'est pourquoi il est allé maintenant là-bas de ce côté-là. Toujours avec son manager qui est M. Doug Pinis, que j'ai eu à recruter pour le compte de ses joueurs. Donc, il a un avenir que moi, je qualifie de prospère, de radieux. Donc, Sion, Kaloum Stade de la Guinée, l'équipe de Zamalek, avec au passage l'équipe du Tiet, l'avenir est devant lui. Tout à fait. Moi, déjà, la saison prochaine, je crois que vous aurez d'autres échos. Tel est mon souhait. J'aimerais le voir dans des grands championnats du monde, dans les championnats français, espagnol, anglais, parce qu'il en a les capacités. C'est un joueur physique, c'est un joueur qui a de la vitesse, de la percussion, c'est un joueur qui a les dribbles faciles, c'est un joueur buteur. Donc lui, il connaît la définition du but. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'un but, il te dira c'est faire une mauvaise passe au gardien. Parce que c'est en lui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah!
Kobe. Thank you.